m'a donné des photos, il voulait s'en débarrasser. Qu'est-ce que t'en penses? Mon visage est creusé jusqu'à l'os. Il a l'air bien malade, cet homme. Qu'est-ce que tu racontes? Il est pas malade. Si, ça crève les yeux. Il n'y a pas de fromage? Je ne savais pas que tu viendrais. 5 juin. La maladie me mine depuis de longues semaines. Et surtout le sentiment d'être rejeté. N'est-ce pas cela insupportable? Être rejeté. Le sentiment atroce qu'on ne pourra jamais se faire accepter. En rencontrant Anton Artaud, j'ai rencontré le seul homme que j'attendais. Ne pas oublier de lui dire, il y a près de moi 2 êtres qui ont beaucoup souffert. Je voudrais que vous les aimiez. Nous parlions de votre femme. Que disiez-vous au sujet de ma femme? Nous disions qu'elle ressemblait à un personnage de Edgar Poe. J'ai vendu tes poèmes rue des Saint-Pères. J'ai laissé 2 plaquettes en dépôt au libraire de l'Odéon. Les revues me soient ouvertes. Pardon. Excusez-moi. Pourriez-vous m'avancer le prix du billet? Je suis un peu juste. Tenez, prenez le mien. Je fais partie du comité, je rentrerai comme ça. Merci. Allez-y, sinon vous serez au fond. Allez-y. J'aurais pas une cigarette.
Savez-vous que Colette est très malade? Non. Elle n'est pas malade parce qu'elle est malade. Elle est malade pour tout le mal qu'on lui a fait. Elle a été violée. Violée? Elle était très fatiguée quand elle a rencontré un homme qui lui a proposé de venir se reposer chez lui. Là, il s'est jeté sur elle et lui a fait une blessure au ventre. Et quand elle s'est réveillée, le lendemain, il y avait du sang jusque sur les coussins. Et je le retrouve. Je lui trancherai la gorge à cet individu.